Bonjour! Skippy, dis allô! Dis allô! Dis allô! Regarde, dis allô! Bonjour! J'espère que vous allez bien! Moi, puis Skippy, aujourd'hui, on se joint à vous pour vous faire une petite vidéo d'achat d'articles de coloriage. J'allais dire bricolage, je ne sais pas pourquoi. Des articles de coloriage. Donc, bon, Romane va s'en mêler. Ça fait pas longtemps que je suis revenue, on a été toute seule toute la journée. Tiens, vas-y, go. Allez-y. Allez. Bon. Fait que là, elles sont fous comme la marde. Donc, dans les dernières semaines, j'ai fait quelques petits achats ici et là pour ajouter à ma collection, d'autres pour mieux m'organiser. Mais j'ai pas fait de vidéo sur chaque chose que j'ai achetée. Donc, je me suis dit que je pense que j'avais regroupé assez pour faire une petite vidéo. Au début, je voulais l'intégrer plus à mon weekly vlog. Mais je vais avoir d'autres choses à vous montrer dans le weekly vlog, donc je me suis dit pourquoi pas. OK, fait que là, je sais pas, j'aimerais ça vous montrer. Je vais vous montrer à la fin. Je me suis acheté un chariot chez Michaels pour regrouper mes trucs quand je colore dans la cuisine ou quand je change de place. C'est bien pratique, mais je vais vous le montrer à la fin. Vas-y, maman. Vas-y, capable. Attends un petit peu, là, je vais aider mon robot. OK. Toi, tu vas rester là, là. Fait que première chose que je me suis achetée, c'est des petites boîtes comme ça. Ah! Je savais qu'elles étaient mal fermées. Je savais. Quand j'ai arrêté de colorier hier soir, je me suis dit, tu devrais la fermer comme il faut. Mais j'étais tellement crevée que je l'ai juste à côté. Fait que j'en ai acheté deux petites comme ça, puis une plus grande. Pour Skippy, il faudrait vraiment que tu tasses un petit peu, là. Comme ça. Éventuellement, je veux avoir que des étuis là, de même, là, t'sais, comme pour rentrer mes crayons comme ça, avec plusieurs étages. Excuse, Coco. Mais là, l'affaire, c'est que mes marqueaux raffinés et mes prismacolores, j'en ai comme plusieurs boîtes mélangées. Faudrait que je fasse le tri là-dedans. Là, j'en ai dans des étuis à part. Je l'avais dans des grosses boîtes à biscuits. Enfin, en tout cas, j'ai pris toutes ceux qui étaient déjà entamés, puis je les ai mis dans des plus petites boîtes comme ça. Quand je vais avoir mes étuis, je vais tout faire un tri, puis tu sais, comme les placer en ordre. Mais là, pour le moment, c'est comme. C'est éparpillé. Fait que je me fie à mon nuancier, puis je fouille dans mes boîtes. Puis ça prend quand même moins de place, ces petites boîtes-là, que les grosses boîtes que j'avais avant. Donc, c'est pas super. Puis la grosse, je la trouvais parfaite pour ranger mes Posca. Parce que je vais vous montrer, j'en ai acheté plusieurs nouveaux, fait que je trouvais que c'était pas pire. J'ai pas beaucoup d'espace de rangement ici, donc il faut que j'essaie de m'organiser le mieux possible. Je les voulais blanches, transparentes, pour justement que ça fitte, ça fasse quand même un minimum cute dans mon petit meuble de rangement. Je les ai achetés au Bureau Pro. Je crois que ceux-là, ils en vendent au Dolo. Mais je sais pas si ils sont vraiment pareils, puis je sais pas s'il y en avait des transparentes comme ça, puis la grosse comme ça, j'en ai vraiment pas vu là au dolo, fait que voilà pour les premières petits achats. Puis tant que mes podcasts sont sortis, ben pourquoi pas y aller avec ça. Et dans une de mes dernières vidéos, je vous montre que je me suis acheté des podcasts. Est-ce que je vous ai dit que j'avais racheté des podcasts de d'autres couleurs? Je pense que non, je pense que je vous ai vraiment juste parlé de ma première boîte de Posca qui était comme plus des couleurs. Eux, ils appellent ça, je pense, couleur nature. Mais en fait, c'est comme des espèces de. Je pense qu'il y avait ça. Il y avait quoi d'autre, ça? Ah, c'est vrai, il y en a six pour ça. Il y avait lui. Puis il y en avait un autre. C'est quoi l'autre? C'est un petit vert. Je pense que c'est celui-là. Fait que la première boîte que j'ai achetée comprenait ceux-là. Après ça, à l'unité, j'ai acheté le petit doré comme ça, puis le gris. Puis, je les remets là-dedans, ça. Ça, on va l'enlever. OK. Je pense qu'il y avait lui aussi. Comme ça. Après ça, je suis retournée au Michaels parce que je voulais m'acheter un mauve parce que je coloriais une sorcière aux cheveux mauves, puis je voulais faire les traits mauves. Puis je sais que quand j'ai acheté la première boîte, j'avais dit je vais être bonne pour un bout parce que c'est des couleurs que j'utilise beaucoup, mais je me suis rendue compte que il fallait comme vraiment plusieurs autres couleurs. Fait que j'étais allée au Michaels chercher le crayon mauve que je voulais donc.
Puis quand chaque fois au Marcus, il y avait une promo, t'en achetais trois, t'en avais deux gratuits, fait que ça me revenait, ça que le 30% pour les membres privilèges, ça me revenait à peu près à 20 $ pour 5 podcasts, qui est quand même bien. Fait que j'ai pris mon petit mauve, j'ai pris un brun, comme ça. Je pense que j'ai pris lui. J'ai pris un bleu foncé, c'est celui-là, le plus foncé de la gang. Puis j'ai pris celui-là, qui est comme une espèce d'ivoire. Puis après ça, je me suis dit, il me faut des couleurs plus primaires, les couleurs de base. Fait que tu sais, comme un rouge, un noir, un bleu, un jaune, un vert. Il y avait encore un autre blanc dedans, si je ne me trompe pas. Puis ceux-là, je me souviens plus dans quel paquet qu'ils étaient. Je sais pas si dans celui-là ou dans l'autre. En tout cas. Fait que finalement, je me suis trouvée à acheter pas mal plus de podcasts que j'avais prévu acheter ce mois-ci. Mais tu sais, là, je pense que je suis quand même bien équipée côté podcast. Je vous ferai un petit swatch vite, vite après si vous voulez, là. Ça pourrait être cool. Fait que voilà pour les podcasts. C'est pas donné, hein, ces moses de crayons-là. Mais honnêtement, ça fait vraiment des belles choses dans le coloriage, puis j'en voulais, puis je suis bien contente. C'est juste que je pensais peut-être m'équiper un peu plus tranquillement. Mais bon, hein, c'est ça. Je suis un peu intense des fois dans la vie. Quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Hein, fait que, c'est ça. Autre chose, ben là, ça a plus ou moins rapport. Je me suis acheté des petites étiquettes, les plus petites, comme ça, parce que quand je fais mon nuancier, je me suis rendu compte que plusieurs crayons sont pas tout à numérotés, il n'y a pas tant des couleurs d'écrit, fait que ça va être bien pratique. Je me suis acheté ça ici parce que je m'intéresse de plus en plus à l'acrylique pour faire des fonds, faire des effets. Puis là, quand j'ai essayé d'en faire, j'avais juste des petits plats d'aluminium, puis je trouvais que ça allait pas super bien. Fait que je me suis dit que ça pourrait être pratique. Tu sais, pour au moins commencer à tester après ça, je sais pas, on verra si. Je sais pas, là, en tout cas. Fait que des fois, pour mélanger ta peinture avec de l'eau, ou même voyons. J'ai acheté des pinceaux aquarellables, en tout cas, je vais vous les montrer, là. C'est des crayons aquarellables, en fait. Puis je me suis rendu compte que ça allait super bien, comme devenir. Lâcher un peu de pigment, mélanger avec de l'eau, en tout cas. J'apprends. En ce moment, je suis vraiment en mode apprentissage. J'essaie plein de choses. Puis c'est ça. Fait que je me suis dit que ça pourrait être bien pratique. Autre chose. Ça va être cool parce que j'ai pas tout sorti. Je travaille un peu en nouvelle. Je me suis acheté des pinceaux pour justement essayer de faire des fonds différents. Là, je me suis procuré aussi des pinceaux à réservoir d'eau qui sont pas là. Ils sont où? Ah, c'est dans ma chambre. Mais en tout cas. Mais j'ai aussi acheté des pinceaux comme ça, j'ai vraiment demandé. Je pense que je vous les avais déjà montrés. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça peut être pratique. Chez Michael, je me suis acheté des encres Distress. J'en ai mis beaucoup dans mon panier Amazon aussi. Mais là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de couleurs là, disponibles. C'est pas donné. C'est quand même dispendieux. Fait que là, je me suis dit, faut y aller comme un de temps en temps. Fait que je me suis dit que j'allais commencer avec ces deux couleurs-là ici. Fait que celui-là, c'est violette fanée. De même. Puis là, les carrés étaient un petit peu maganés. Je sais pas. J'imagine que c'est normal. Fait que c'est vraiment comme un petit mauve. Puis j'ai pris un vert antique. Que je suis pas capable d'ouvrir. Comme ça. Fait que j'ai commencé avec eux. C'est ça, hein? Faut faire des choix, mais sur Amazon, il y a des paquets de trois. Les pastilles sont un petit peu plus petites. Là. Ça, c'est les grosses là, que j'ai pris. C'est 12 $ chaque. Tu sais, je trouve que c'est quand même pas donné. Fait que c'est ça. Je me suis dit dans un ou deux par mois, peut-être. Puis tranquillement, pas vite, je vais monter ma petite collection. Parce que moi, ça reste que les fonds à l'encre. C'est les premiers fonds que j'ai appris à faire. Puis c'est les fonds que je trouve le plus facile. Fait que je me casse pas la tête. Il me reste deux petites choses à vous montrer. Au Dolo, je me suis acheté mon premier kit aquarelle. Je me suis dit que justement pour faire des tests, c'était cool d'avoir un petit kit du Dolo. Comme ça, je gaspille pas du matériel top qualité. C'est sûr que c'est du Dolorama, hein, fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai vu des vidéos YouTube
en parler. Puis les filles disaient qu'elles étaient quand même très satisfaites pour le prix qu'elles avaient payé. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? J'en ai pas encore. Fait que c'est quand même un beau petit kit. Tu sais, comme vous voyez, j'ai essayé quelques couleurs. Puis c'est ça, tu sais, je suis pas une pro de l'aquarelle encore, vraiment pas. Mais les couleurs que j'ai essayées, c'était vraiment beau. C'était des belles couleurs, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le kit venait avec un petit crayon croquis là, pour faire des petits dessins. Le pinceau à réservoir d'eau, un autre petit pinceau de base. C'est quand même 36 couleurs. Je pense que j'ai payé 4$. Elle est encore disponible, je l'ai vue cette semaine. Fait que, ouais. Je vais vous montrer quelques couleurs tantôt, là, vous allez voir un peu ce que ça donne. Et puis, dernière chose que je me suis commandée, puis honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai commandé ça, parce que je sais pas comment les utiliser, mais j'ai eu une alerte comme quoi qu'il y avait un rabais dessus, puis il revenait vraiment à pas cher. J'ai vu des filles faire des belles choses avec ça, mais tu sais, moi, je suis vraiment pas une professionnelle de ce matériel-là. Mais bon, je l'ai, puis éventuellement, peut-être que je ferai quelque chose de bien beau avec ça. Fait que c'est la marque OU, la même marque que mes crayons feutres, là, que j'utilise tout le temps. Oh, je me suis grattée au sang. C'est-tu que j'ai ça? J'arrête pas de faire ça, ça n'a pas de sens. Fait que c'est des brush pen, des crayons pinceaux, watercolor. Fait que c'est comme, comment dire, c'est un crayon pinceau, vraiment comme ça, avec la petite pointe pinceau. Ça vient déposer du pigment, puis là, après ça, tu as le pinceau à réservoir d'eau, comme ça ici, qui va avec. Puis là, tu peux venir comme faire des dégradés, puis tout, mais honnêtement, je ne sais pas encore comment les travailler. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air là, sur papier. Mais les couleurs sont vraiment belles. C'est ça, c'est juste qu'il va falloir que je me pratique, puis que je regarde des vidéos, puis que j'apprenne à les maîtriser comme il faut. Mais je pense que c'est quand même une belle pièce à avoir dans ma collection pour quand je vais être capable de les utiliser. Ouais, fait que je vais m'installer, puis je vais vous montrer vite vite un peu tout ça sur papier, ce que ça donne. Je me suis acheté un nouveau livre de feuilles. Je les aime beaucoup, là, c'est des petits carnets comme ça de l'eau. Fait que quand je colore, je fais des petits, mes petits tests de couleurs là-dessus. Fait que je vais m'installer autrement, puis je vais vous swatcher quelques petites couleurs pour vous montrer de quoi ça a l'air. Ben, me revoilà. J'ai presque plus de batterie, par exemple. Oh! J'ai tellement mal aux côtes, là, vous avez pas idée. J'ai vraiment hâte, là, ben, que ça se replace. Ben là, vous savez, depuis mon accident au mois de décembre, je me suis cassée 6 côtes, puis on dirait que je savais que ça allait être long, là. Mais je vous dirais que depuis une couple de semaines, là, ça va pas en s'améliorant, ça va comme plus en descendant. J'ai mal. La nuit, là, c'est assez intense. Bon, mais je suis pas là pour me plaindre, hein. Fait que ceux-là, on les a déjà swatchés dans une autre vidéo. On leur commencera pas. Noir, blanc, vous savez pas mal ce que ça donne. Doré puis gris aussi, je crois qu'on les avait faits. On peut les refaire quand même. Je sais pas si. Fait que c'est toutes des 3M, je crois. Non, doré c'est un 1M. Le gris c'est un 0.7. OK. Le blanc, j'ai un 3M puis un 1M. Dans le fond, c'est la grosseur de la pointe, là. Puis toutes les autres que je vais vous montrer, c'est des 3M. Donc, la pointe est beaucoup plus grosse. Fait que ça, c'est rose. Je sais que c'est rose, Steph, mais c'est juste que je me disais peut-être que ça a une autre sorte de nom, genre rose néon. Bleu clair. Ivoire, je pense pas qu'on va le voir. Je suis en train de filmer, moi, OK. Je pense pas qu'on le voit beaucoup, mais ça peut être cool pour cacher les petits détails dans les visages. Celui-là, c'est bleu. bleu. Là, c'est écrit bleu. Puis celui-là, c'est bleu marin. Bleu marine, excusez. Comme ça. Celui-là, c'est vert. Ben, c'est kaki.
J'ai essayé vraiment de me choisir des couleurs comme. T'sais, je voulais vraiment avoir des choix de couleurs pour tous les éléments. Je contourne pas toutes dans mes coloriages, par exemple, mais j'aimais avoir la possibilité de contourner si je voulais contourner. T'sais, comme le rouge, je pensais beaucoup aux lèvres, mais pour le moment, j'aime pas vraiment quand les lèvres sont contournées. Mais je me dis peut-être qu'éventuellement, je vais vouloir le faire. Ça, c'est brun. Marron. Violet. Ça, c'est un M. Ça, c'est mon vieux. Je me suis rendu compte que j'en avais déjà un. Vous voyez, la mine est beaucoup plus pointue aussi. Fait que mauve, c'est ça. Je me suis retrouvée avec deux mauves. Jaune. Et vert. Et voilà. C'est tout pour la leçon de couleur. Mais non, pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir ce choix-là. Je trouve que ça part bien. Éventuellement, c'est sûr, je vais en acheter d'autres. Mais là, je pense que je vais peut-être plus me concentrer sur mes encres Distress. Et puis, je vais vraiment me chercher des crayons de bois de plus, comme, de meilleure qualité, là, tu sais. Je les aime, mes crayons, là, mais j'aimerais ça avoir des bons crayons. Puis là, c'est ma fête dans un mois. Puis laissez-moi vous dire que je vais me gâter. C'est côté d'épée, je pense que je suis assez bien équipée. J'ai beaucoup d'épées qui attendent d'être faites. J'ai du choix en masse. Là, je pense que je vais vraiment comme me faire plaisir puis travailler sur ma petite collection de matériel de coloriage. J'aurais voulu montrer les encres, mais j'ai pas pris d'essuie-tout ou de papier. Moi, j'aime bien faire ça au papier de toilette ou au tampon des maquillages, mais là, je n'ai pas à portée de main. Mais tu sais, ça ressort vraiment là, comme les petits stickers qu'il y a dessus. Là, ils vendent des boîtes pour les ranger. Fait que c'est ça. Quand je vais commencer à en avoir un peu. Michael, je pense qu'ils ont juste les gros, par exemple. Puis Amazon, on a les petits. Je pense que c'est peut-être cool d'avoir des petits formats. C'est quand même gros, je trouve, là. Mais en tout cas, hein? On verra bien. Fait que je suis quand même très contente d'avoir deux couleurs. Sûrement que cette semaine, je vais aller m'en chercher une autre. Puis je regarde aussi beaucoup les spéciaux chez Michaels quand il y a des deux pour un ou tu sais. Ça arrive souvent qu'il y a ce genre de petits rabais-là. J'aime bien ça dans ce temps-là. Aller me chercher quelques petites choses. Y a-t-il de l'eau là-dedans? OK. Fait que là, je vais vous montrer un peu les couleurs de tout ça. On va pas toutes les swatcher, par exemple, là, parce que c'est ça. Ça me tente pas tant. Je trouve ça long. Tu sais, si ça serait comme du matériel full top qualité, probablement que ça me tenterait full de swatcher toutes les couleurs, mais là, c'est du de l'eau, là, hein? Fait que là, je regarde beaucoup de vidéos pour essayer d'apprendre à faire des beaux fonds avec ça. Je trouve pas ça évident. J'ai essayé comme par deux reprises de faire quelque chose qui a de l'allure, puis je suis jamais vraiment. Je suis pas satisfaite. On dirait quand j'en regarde, je trouve ça super beau, puis moi quand j'en fais, on dirait que ça fait full. Genre, je sais pas, là. Ça fait comme bricolage d'enfant de maternelle, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que, pour vrai, ça fait la job, là. Sais, je pense que je vais être capable de faire, de me pratiquer quand même pas pire avant de. Oh, vous voyez pas. Avant de tomber dans du matériel comme plus qualité, là. Fait que, c'est ça. J'essaie de vous montrer un peu les couleurs. Mais en même temps, je trouve ça vraiment relaxant de faire ça sur un papier. Même de même, je fais absolument rien, puis je trouve ça super relaxant. J'ai tout le temps été faire un peu des watercolors, là. Je trouve ça très beau. Non, j'aurais pu faire un. Ça pourrait faire un fond. Un fond de je sais pas quoi. Tu sais, je regarde ça, ça a l'air de rien. Pourtant, c'est exactement ça que le monde font sur YouTube, là. Si vous avez des bons vidéos tutoriels là, pour moi, là. Ça m'intéresse. Puis un petit peu de bleu ici, là, juste pour vous montrer comment que le bleu peut sortir. Mais non, c'est ça, hein? Faut tout commencer à quelque part. Fait que là,
dans les prochaines semaines, je vais essayer de pratiquer mon aquarelle. J'en ai mis beaucoup dans ma wishlist Amazon aussi, de toutes marques confondues, plusieurs qualités différentes aussi. Je pense pas que je lave hein, le pinceau. Fait que, et voilà. Est-ce que je vous le suggère? C'est sûr que je suis pas une professionnelle de l'aquarelle, mais je pense que ça peut être le fun d'avoir un petit kit comme ça, là. Je pense qu'il y a moyen de moyenner quelque chose, comme dirait ma mère. Et puis, si on parle un petit peu des water, des paintbrush OU. Comme je vous dis, j'ai aucune idée comment les utiliser. Je ne sais pas. La seule affaire que je sais, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de les acheter. Je me suis dit, si j'apprends à les travailler comme il faut, je suis sûre que ça a du potentiel. Les couleurs sont belles, mais c'est ça. Comme je vous dis, je ne sais pas comment travailler ça. Je vais apprendre. Je vais apprendre. Fait que c'est vraiment une pointe pinceau, comme ça. Tu sais, juste de même, la couleur est full belle. J'ai essayé de juste les mettre de l'eau comme ça. J'en ai peut-être mis beaucoup. La couleur est belle. C'est beau quand même la couleur, mais je sais comme pas comment travailler ça, moi. Wow. Oh, c'est beau. Quand je l'ai essayé la première fois, la couleur sortait pas aussi bien. Ah, oh, mais tu sais, peut-être qu'on peut venir mettre un peu de pigment comme ça, puis après ça, venir. Ah, regardez ça, c'est beau là! Wow! Ça, c'est vraiment beau. Ça, j'aime beaucoup ça. Si, admettons, je sais pas, là, mais admettons, tu prends une feuille, puis là, tu viens mettre comme de la couleur dessus, de même. Puis là, après ça, tu prends ça, tu viens mettre de l'eau, de même, puis là, hein? Oh, regardez ça. Hey. OK. C'est pas comme ça que j'avais compris qu'il fallait l'utiliser la première fois. Je sais pas si c'est comme ça, mais là, je trouve que ça a un certain potentiel. Le rose, il a vraiment bien sorti. Oh! Hey, j'aime ça. Mais là, faites pas comme moi, là. Je sais pas si je fais la bonne affaire, là. Mais je trouve que ça ici, là, ça a du potentiel, ça. Oui. On va essayer genre du orange. Fait que je refais la même chose. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé avec ces crayons-là? Je serais vraiment curieuse de voir ce que vous avez fait avec ça. OK, ouais. Honnêtement, la première fois que je les ai essayés, là, j'étais pas convaincue. Là. Je faisais juste faire des affaires de même, je me disais, c'est vraiment laid. Mais là, regardant en travaillant ici, là, j'ai aucune marque. Ça fait des belles. Tu sais, ça fait beau, là. Je peux facilement faire un petit fond rose de même, un petit fond mauve, puis ça va être super cute, là. En tout cas, fait que ça donne ça. Ces fameux petits crayons. Fait que dedans, il y en a 25. Je sais pas si vous les voyez bien. Mais tu sais, les couleurs sont super belles. On a quand même des beaux. Tu sais, on a plusieurs bleus, plusieurs roses, plusieurs jaunes. Fait que c'est le fun. On a même du noir, gris, brun. Fait qu'il y a des très belles combinaisons qu'on peut faire. Tu sais, regardez si je vous l'approche, là. C'est ça ici, là. C'est vraiment beau, là. Pas collé, là. Mettons, je prenais juste le rose ou juste le petit mauve, là. Même le petit jaune, il est super beau. Je sais juste pas si ça, ici, c'est la bonne technique de venir mettre comme de l'encre, puis après venir mettre de l'eau. Je suis pas sûre. Je suis pas convaincue que c'est comme ça qu'on est supposé faire, mais ça, je suis convaincue que c'est supposé donner ça. Fac, il y a du potentiel.
Fait que ça fait le tour pas mal de ce que j'avais. Oh, je voulais vous montrer mon petit rack. Attendez un petit peu, je vous décroche, là. Fait que mon rack, il a l'air de ça. Il est sur roulette. Fait qu'il y a trois étages. Ici, je vais mettre mes Posca. Ici, je peux mettre les livres que je veux faire comme l'eau prochainement. Ça, c'est les crayons que je suis en train d'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup. T'sais, ici, j'ai mes OU. En arrière, il y a mes OU pots. En bas, je mets mes aquarelles, pinceaux et tout, les encres. Fait que, tu sais, éventuellement, mon matériel ne rentrera pas tout là-dedans. Déjà qu'il ne rentre pas tout, j'en ai là-dedans. Sauf que le gros, quand même, j'arrive à le mettre dedans. Puis, je peux changer de place facilement. Puis, non. Mais, le problème, ben gros, c'est à peu près 50 $, là, oh my God. Fait que ça fait le tour pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je suis essoufflée, je suis désolée, Seigneur. Une petite vidéo un peu broche à foin, je suis désolée. Mais voilà! Donc, on se reparle très bientôt. Bye bye!